Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepping. Oh my God, my whole life. Bonjour à tous et à toutes, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, les amis. Pour ma part, je fais vraiment nickel chrome, comme d'habitude. Et aujourd'hui, nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo pour parler un peu de YouTube et pourquoi j'arrête tout de suite pendant un mois et demi, voire un mois. Clap, bonjour. Alors, premièrement, pourquoi j'arrête YouTube? Il y a beaucoup de personnes qui vont venir au moment où je vais arrêter YouTube. Attends, c'est moi parce que tu vas me dire, il y a Noël. Nouvel an, et c'est la merde parce que c'est la 2019. Je sais pas si ça se dit la 2019, mais je préfère dire l'année 2019. Cette plaisanterie est à sèche. Ok. Bon. Du coup, je sais que vous n'avez pas besoin parce que je l'ai entendu plusieurs fois le bruit comme ça. Hein. J'arrête YouTube pour de bonnes raisons personnelles. Alors, déjà, brevet, troisième. Devoir, notes, deuxième trimestre, les profs. Ah oui, aussi. Les sorties. Les cours en plus. Et aussi, je crois, les stages. Ouais. Donc, du coup. On va passer beaucoup de temps à réviser et à nous détendre. Et surtout à nous stresser bien la vie pour les brevets blancs au mois de janvier. Qui aura lieu déjà le 15 et 16 janvier 2019. L'année où tout va mal se passer avec les gilets jaunes. Mais ta gueule avec les gilets jaunes, bordel! En fait, je sais pas pourquoi ils se font là-dedans, en fait. Voilà, donc ça c'est fait, vous voyez? Maintenant YouTube, alors les compteurs à la baisse, les abos inactifs, qui commencent à arriver bien sûr. Ok, parce qu'il y en a qui je connais tout ça, parce qu'il y en a qui commencent à arriver, on dira. Ouais, il y en a qui peuvent frapper en dehors des vidéos. C'est très gênant. Je vais me rendre compte, mais je comprends pourquoi vous regardez mes vidéos. C'est parce que je suis con. Ouais, mais ça, j'avais déjà remarqué, ça fait plusieurs fois comme. Oh, c'est la dernière vidéo, putain, réveille-toi, mec. Ok. Pourquoi je pars en couille? C'est parce que, en fait, je voulais vous dire merci. Tout simplement. Alors, oui, pourquoi merci? Parce que je voulais dire merci à tous ceux qui étaient là pendant les 3 heures de live. Donc, on a passé vraiment de bons moments pour les 3 heures de live. Il y a eu beaucoup de nouveaux aussi, donc merci à vous les nouveaux. Donc, si vous avez regardé la vidéo, vous êtes bienvenus. Merci à vous. Et donc du coup, voilà quoi, c'est la fin. Pendant un mois. Pas la fin de YouTube. Bah non, pas encore. Le pas encore est hésitant, hein. Bref. Donc du coup, voilà, j'espère que vous comprendrez quand même que la troisième, c'est pas une partie de plaisir. C'est pas une partie où tu t'amuses beaucoup sur YouTube. C'est pas aussi une partie où t'aimes bien, quoi. Comme le lycée, la première année. Donc du coup, j'en profite pour les lives de 3 heures encore. Ouais. J'en profite encore. Ok. Je crois que je vais partir. Mais bon, dans tout ça, on a une possibilité. Une possibilité. Ta gueule. On a tous une possibilité de pouvoir peut-être reprendre YouTube à un moment. Le problème, c'est que le moment, il n'est pas bien choisi en fait. Parce que le mois de janvier, pendant 4 semaines, il va être super rude. Ouais. Première semaine, DS. Deuxième semaine, on a les brevets blancs, plus une sortie, plus on finit 7h30 vendredi. La troisième semaine, il n'y a rien qui se passe. Donc on finit plus tard. Quatrième semaine,
Non, merde, troisième semaine c'est les stages et quatrième semaine on n'a plus rien. Donc c'est déjà pas mal, hein. En 4 semaines, hein. Ça fait mal. Je crois qu'on n'a pas 4 semaines, 5 semaines en fait. Qu'est-ce con. Bref. Donc, du coup, voilà pourquoi j'arrête YouTube. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire pourquoi, parce que, voilà. Mais bon, comme j'ai dit avec mon groupe Snap, du coup, ceux qui viennent le groupe Snap, oui, ça vient tout doucement, mais sûrement. Le groupe Snap qui sera dans la description, je vous mettrai mon Snap, j'ai bugué là. Et je vous mettrai aussi le nom, parce qu'en fait, ce que je fais, c'est que je mets mon Snap pour que vous m'ajoutez, et puis après que je vous ajoute sur le groupe. Je veux dire, on est déjà pas mal sur le groupe online. Bon, ils sont déjà pas mal hein, quand même sur ma chaîne. Je savais même pas comment était, mais j'ai. Voilà, c'est. Wow. On a au moins 13 facile, parce qu'il y a plusieurs comptes aussi, donc c'est normal aussi que ça fasse ça. Oui, il y a le mien et c'est ma tablette. Voilà. Il n'y a pas que les miens comme compte. Hein. Donc, du coup, voilà. Je crois qu'on a tout dit. Ouais. Je crois qu'on a tout dit. Donc, du coup, putain, donc, quitter la vidéo, comme c'est la dernière vidéo, du coup. Dimanche, si vous avez Snap, n'hésitez pas. Dimanche, ce que je ferai, c'est que je parlerai avec mes abonnés. Dimanche soir ou dimanche après-midi. Pour parler un peu de ce que je vais faire. Parce qu'en fait, si j'arrête YouTube, si j'arrête les lives YouTube pendant un mois qui était hier, le problème c'est que comment les gens ils vont savoir ce que faire après? Donc du coup, ce qui est bien, c'est que quand j'ai créé le groupe Snap, je savais ce que j'allais faire du groupe. En fait, si vous voulez. Pour les appels pour l'année 2019 pour les merde les gars les merde comment dire ah les, je voulais appeler mes abonnés là pour vous remercier j'ai bugué donc du coup ce que je fais maintenant grâce au groupe. C'est que si vous m'ajoutez, on sera de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et ce qui est encore plus cool, c'est qu'on peut faire des appels téléphoniques sur Snap. En plus, nouveau. Et ce qui est bien, je l'ai dit, ce qui est bien, c'est qu'on peut maintenant faire beaucoup d'appels. L'avantage de ce groupe, c'est que. C'est sympa quoi, c'est cool, c'est. Voilà, c'est comme si c'était des youtubeurs qui faisaient des vidéos quoi. Enfin, ouais, comme Squeezie, Marcus, Seroth, Farod, enfin voilà quoi. C'est comme ça en fait. C'est un groupe d'abos de ma chaîne. Et on discute. Voilà, tout simple. C'est une discussion normale. Hein. Bah donc du coup voilà quoi, c'est ça à quoi va servir l'appel téléphonique sur Snap. Ça va servir mois de juillet et août. Donc je vais juste en parler juste après. Donc, du coup, c'est bien. Ah ouais, ça, c'est bien. Donc, voilà. Donc, du coup, c'est la fin des vidéos, les amis. Donc, j'espère que quand même, ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un max de pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À commenter si ce n'est pas encore fait sur la vidéo que vous êtes en train de faire. Sinon, vous avez une araignée ce soir. Et aussi, partagez à max la chaîne. Ça me ferait super gros plaisir. Merci à tous ceux qui le font. Et merci. Je vous avais pas quoi dire donc on peut faire de fin à part tchuss tchuma simian il faut que je change un peu voilà ouais bref du coup nous on se retrouve bientôt pour les vacances de février j'espère que vous serez nombreux donc dans la description il y aura mon retour sur YouTube avec les lives et vidéos donc du coup c'est la fin je voulais faire un peu plus long pour que vous compreniez à quel point c'est fatigant de faire les lives YouTube et les devoirs à la maison. C'est la banane. Ouais. Donc du coup, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo comme d'habitude. Merci aux vrais et merci aux nouveaux. Merci à tout le monde pour vos likes, pour vos abos, pour vos gentils messages que je revois parfois dans les snaps. Merci à vous. Et bah voilà quoi. Merci.
et une fin émotionnelle. Rip. Bon, c'est dans la vidéo que je fais. Allez, bobola. Merci à vous. Et nous, on se retrouve pendant les vacances de février. Voilà. Merci à vous. Et surtout, bah, travaillez bien. Et dites toujours hashtag Team Sully Family, même s'il n'est pas encore mort. Pour l'instant. Je rigole. Bon, allez. Je m'assimère. God, oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepping. Oh my God, my God.